إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Donc en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voyons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, frères et sœurs d'Islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un nouveau chapitre dans jurisprudence islamique, la loi de la chasse. Oui, dans l'Islam, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous une religion complète. Fait montrer-nous comment nous pratiquons un acte d'adoration, namaz, rosa, hajj, etc. Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer-nous comment nous vivons avec démons, comment nous comportons-nous dans la société. Allah subhanahu wa ta'ala fait enseigner-nous comment nous besoin habiller. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait enseigner-nous aussi concernant une transaction financière. Et entre autres aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous concernant nourriture, qui est quelque chose qui nous gagne droit consommer, qui est quelque chose qui nous pas gagne droit consommer, et comment nous acquérir nos bonnes nourritures. Et une de bonnes façons, c'est la chasse. Alors donc, la chasse, c'est une quelque chose qui est confirmée sous permissibilité du Coran ainsi que dans Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et un consensus sur légalisation, permissibilité de la chasse en islam, mais bien sûr avec une condition qui est attachée avec cela. Alors donc tout d'abord, nous avons verset Coran qui trouve dans Surah Al-Ma'ida que Allah subhanahu wa ta'ala peut confirmer permissibilité de la chasse, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Maïda fait mention mukallibin. Mukallibin veut dire que peut faire référence à tout ban animal de chasse, mais en particulier ici fait une cause concernant les lycéens, parce que ça c'était quelque chose qui est plus connu, c'est plus veut dire accessible, c'est lycéens la chasse, mais les pas spécifique à lycéens la chasse, mais la chasse les à travers plusieurs animaux qui servent lycéens la chasse, ou bien par exemple ban épervier, ban faucon, ban oiseau de veut dire ban oiseau de proie, mais aussi à travers ban félin tel que al-fahad veut dire cheetah, et les autres ban animaux qui entraînés pour la chasse. Alors donc dans le Coran, je trouve que Allah subhanahu wa ta'ala fait mention veut dire la chasse, permissibilité la chasse, et ensuite dans les autres ban versets aussi, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire concernant la permissibilité de la chasse pour ban qui n'est pas dans l'état ihram, et veut dire l'interdiction de la chasse pour ban dans l'état ihram. Wa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amukum mata'an lakum wa lis-sayyara wa harrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer interdiction à ban qui dans l'état ihram pour être chassé, veut dire un animal terrestre, alors que la chasse ici qui nous servit, la pêche dans langue arabe, tous les deux considérés la chasse. Alors donc la chasse veut dire la pêche, les permissibles pour du moins qui dans les tihram, mais la chasse dans le contexte qui nous peut connaître veut dire l'eau la terre, les interdits tant qu'un du monde dans les tihram. Ce qui est important, c'est que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fin veut dire permet la chasse. Dans le hadith aussi, pareil, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
qui est rapporté par un sahabi qui s'appelle Adi ibn Abi Hatim, radiallahu anhu, qui trouve dans Muslim. Alors, l'épidéman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bon renseignement concernant la chasse. Parce que la chasse, c'est une petite chose qui les font partie dans l'histoire humaine. Ça veut dire qu'insan associé avec la chasse, parce que comment je peux gagner notre nourriture? C'est à travers la chasse en particulier. Alors donc, je te pose question, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Qultu ya Rasulallah » Il dit, « O messager d'Allah, inni ursilu al-kilab al-mu'alla al-mu'allama » Mot lance, mot lycien, qui m'a fini entraîner pour la chasse. « Fayumsikna alayya » Et les récits attrapent la proie qui m'a fait envoyer pour chasser. « Wa adhkuru smallahi alayya » Et mon Dieu, bismillah, comme on envoie sa lycien-là pour lui aller chasser. Faqal, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait répondre, idha arsalta kalbak al-muallam, si au moment qu'il t'envoie ton lycien qui finit entraîné pour la chasse, quand on envoie lui, wa dhakarta smallahi, et il te fait dire bismillah, faqul, ça veut dire tu es capable de manger sa nourriture. Sa gibier qui te fait gagner là, tu es capable de consommer lui. قلت alors Adi ibn Abi Hatim il finit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa in qatalna, même si quand l'Ishala finit attrapé l'inmo, l'Ishala finit attrapé d'une façon qu'intuili quand il finit attrapé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond wa in qatalna, même si l'Ishala intuili, même si l'Ishala finit intuili, ma lam yashrukha kalbun laysa ma'aha, tant que un autre lycien pas fin participe avec lui. Ça ne peut pas s'appeler tard, veut dire que lycien, quand l'autre lycien participe avec ou lycien, on envoie un autre lycien, dans les parages, camarades ou lycien, tous les deux galopent ensemble, je ne gagne pas ce gibier-là. C'est l'autre la loi pour lui. Ça veut dire tant que seulement ton lycien, tu lances lui, tu dis bismillah, lycien-là fin attrape sa proie, et pendant qu'il attrape sa proie, proie-là fin mort. Peut-être pas, ça veut dire. Puissance de la masseur, il finit tout sa poids là. Manger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit une permissibilité. Alors dans ce hadith, nous trouvons que la chasse est confirmée dans le Coran et dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, il y a deux points très importants pour nous faire ressortir. Et surtout, ben Hanafi, je suis assez sévère là. Mais il y a un juste milieu. Qui s'en a un droit de chasser? Tout le monde a un droit de la chasse? Alors, donc, oui, ben Sahaba, parfois, quand je tiens l'autre, je tiens un travail, je peux le faire commerce, je trouve d'apporter un gibier, je peux chasser. Mais sinon, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dimon chipe la chasse comme zut veut dire source de nourriture. Dimon chipe chasser comme une source de nourriture. Qui veut dire que ben ulama fait une base d'un hadith en particulier qui nous pourquoi ça là, que un dimon li passe sur les temps parce que la chasse li pas coûte une minute ça. Li coûte des heures. Li capable coûte une nuit en entier. Les capables coûtent une journée en entier. Nous ne pouvons pas cause ici, dans chasser, menti, artificiel, là, propriétaire, là, qu'un gibier devant où. Ici, là, ça, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a 50 gibiers, il organise, il connaît là, il dit, ouais, à pendant l'escalier, là, il y a un gibier, c'est pas un peu malade, ou on tient un coup de balle, on dit, on la chasse. Pas la chasse, ça. La chasse veut dire qu'il. On a allé, ou pas connaître, pas pour un gibier, ou pas connaître qui gibier pour paraître devant vous. Est-ce qu'il y a un antilope? Est-ce qu'il y a un cerf? Pas connaître. Alors donc, ce qui est important, c'est que ben Sahaba type la chasse comme une source de veut dire, nourriture pour eux. Parfois, arriver, si vous même l'autre mission, si vous gagnez de porter un gibier, vous type servir, qui fait parce que c'est une de bonnes façons qu'ils type être nourris à travers la chasse. Mais si un gibier, lui peut faire passe-temps, vine veut dire, peut consommer sur la vinette. La chasse dans Maurice, ce n'est pas une source de nourriture pour nous. Nous ne sommes pas nourris par la chasse dans Maurice. Lui plutôt une fun,
plutôt une fun. Est-ce qu'un jimon est capable de faire passion pour sa fun là? Donc, nous, ok, nous appelons la chasse pour le moment. Est-ce qu'il nous gagne droit veut dire un jimon qui a été passionné qui grammatait tantôt contre lui et Mohamed côté dans la chasse. Tantôt contre lui dans la chasse. Grammatait côté dans la chasse. Gagne droit, non pas gagne droit ça. Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit Man bada jafa. Un hadith authentique qui trouve d'Abu Daoud. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man bada jafa. C'est lui qui quitte la civilisation, quitte la société, veut dire quitte la ville. L'ial reste dans Badia, veut dire dans des airs. L'ial isolé dans des airs. L'ipouvine, un djimoun solé qui est rousse. L'ipouvine, un djimoun qui perdit beaucoup de qualité. L'ipou perdit sa qualité sociable. L'ipou perdit sa générosité. L'ipou perdit sa courtoisie. Man bada jafa. Parce que quand Jimon, il reste tout seul, loin de l'île, dans la forêt, dans le désir, il peut pas contact avec Jimon, il oublie comment vivre avec Jimon. Il n'est plus comprend comment vous prendre patience avec Jimon. Il n'est plus capable d'accepter qu'un Jimon fait errer envers lui. Par contre, nous, quand nous vivons dans une société, nous besoin manger tout ça, veut dire, tout ça coule là, tous les jours. Nous avons dit, nous avons dit, comment dire, les temps, nous avons dit, envie de rire, nous, les rire, nous, demain, envie de nous travailler, de nous travailler. Nous besoin accepter, reste tranquille. Parfois, il cause bien en nous, parfois, il pas cause bien en nous. Parfois, tel problème, parfois, nous besoin qu'on vive dans la société. Mais quand du monde, il vit tout seul, il n'est pas capable. À cause de qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit, man bada jafa. C'est lui qui a l'isolé dans une place retirée comme désir, l'ipouvine, un du monde qui, elle est qui a dit, l'ipouvine, comment dire, assez froide, il n'est pas pour qu'on vive. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui, les galoupes, ce problème, il reste derrière, veut dire gibier. Sur les temps finis, il oh, ça. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, rafal, l'époux veut dire, vin de raflet. Il n'est pas pour faire ibadat. Pas pour une ibadat pour lui, pas pour une zikrullah. Ça veut dire, c'est un jimon. La majorité sur les temps, s'il prend tout sur les temps, dans le contexte maurice, veut dire, il fait passion, consomme sur la vie. La vie, précieuse, ça. L'air précieux, ça. Ben, les temps, ou la vie, ou la journée, les précieux. On a l'obligation vis-à-vis aux parents, si vous n'êtes pas encore marié. Ou on a travail. Si vous mariez, on a une madame. Si on a des enfants ou un parent, vous avez besoin de sortes de responsabilités. La société, une quantité de responsabilités. Mais si grand-mère est tantôt soit dans la paix, soit dans la sas, ou vient de reflète. Ça veut dire, ou vient de reflète, veut dire, ou oublier, ou ben, devoir. Devoir vis-à-vis Allah. Parfois, on a oublié les namaz, on a oublié l'obligation religieuse, oublié l'obligation vis-à-vis aux parents, vis-à-vis aux madames, vis-à-vis aux enfants. Voilà, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, alors donc il dit, man ittaba as-sayd ghafal. C'est lui qui résiste, suivre ban gibier, les poutons de raflat. Alors ici, basant l'oula, ban ulama, clair, c'est que un djimoun, les al chassé pour une raison valable. Il a chassé pour une raison valable, soit pour les nourrir lui-même, soit comme une source de gagne-pain. Ça veut dire, les bisous mangés, dans Maurice, ce n'est pas applicable, ça. Ça veut dire, dans les autres pays, il y a la chasse pour les capables de manger, boire, pour les nourrir sa famille, ou bien il y a la chasse pour les vannes, ce gibier, pour les gagner leurs ans, pour les vivre. Ça, possiblement capable, et dans l'île Maurice, ils ne sont pas connus. Ça veut dire, et troisième point aussi important, malgré qu'il n'est pas dans nos cisés, Waman ittaba as-sultan, c'est lui qui existe costé avec ban politicien, ban chef, ban ministre, ban président, ban les rois. Gete Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Waman ittaba as-sultan uftutin. L'époux veut dire ce l'époux met en danger ce din. Ça veut dire ça ban dirigeant là tant que capable de rester dans les autres. Parce qu'il faut mettre en danger au din. Comment mettre en danger au din? Parce qu'en général, un djimoun qui est un dirigeant, un les rois, un la reine, un prince, un président, un ministre, les fait bon, les fait haram. Les fait halal, les fait haram. Les fait quelque chose qui obéissant, les fait kufr, les fait shirk,
de sa présence, ou trois madames, il assiste dans les bras comme ça. Qui vous fait le salaire, là? Président, ça, vous dites, c'est haram, ça? Ou les coups, je parle ensemble. Vous restez tranquille. Quand vous trouvez, vous dites, vous faites shirk, pas formalité politique. Vous causez ou pas causez? Si vous causez, vous allez dans prison. Si vous ne causez pas, Allah vous prend, vous mettez dans l'enfer. Vous risquez d'aller dans l'enfer plutôt. Mais c'est là qui est arrivé. À cause de ça que, ban ulama, ban salaf, qui se sont ban sahaba, que ce soit ban tabirin, qui se sont multipliés, veut dire reste loin avec dirigeant. Pas veut dire que tout dirigeant kafir, pas veut dire que tout dirigeant mauvais, mais ils restent loin pour pas tomber dans fitna. Voilà, hadith confirme ça, qui se là reste loin avec ban dirigeant. Dans le contexte Maurice politicien, reste loin de politicien. Tu peux mettre ton dîne en danger. Tu peux mettre ton dîne en danger. Beaucoup de choses qui shirk, tu peux accepter. Beaucoup de haram, tu peux trouver. Tu peux tirer pied carré. Hadith, tout, tu peux amener pour dire gagner droit tout. Peine à faire, si comme ça tout, qui n'a pas gagné droit devant ban idole. Peine à faire shirk dans ban lieu de culte. Pourtant, son nom, Muhammad, pourtant, son nom, qui n'a encore, qui arrive. Formalité politique. Mais quand vous costez aux autres, aussi vous avez fait pareil. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une mettre en garde qui nous pédit, nous l'étend dans la chasse parce que les Nkitsu apprennent avec beaucoup de réserve pour Banjimoun qui, ça c'est sa source de nourriture ou bien sa source de survie, c'est un moyen de se gagner pain. Mais sinon, nous pas faire un léger, veut dire un passe-temps, veut dire. Et nous, c'est nous la vie. Il ne faudrait pas nous faire ça. Et ensuite, Rasulullah, oui. Aussi, kafir fin montré, dans kafir, sur l'habitude, la chasse posisse, veut dire, pour gloire, ou bien, je ne pas connaître qui pour faire avec la vie. Alors, tous les animaux, je gagne plaisir de tous les animaux. Tous les animaux tiennent photo aux autres. Ça, haram dans l'islam. Sa forme de chasse-là, l'interdit dans l'islam. Ça veut dire, si un djimoun, dans le contexte maurice, nous prenons l'île, on amène dans le contexte maurice. Si un djimoun n'est pas mort en CF, li, mais c'est pas, il compte tirer un coup de balle. Zis, il allait pour tirer un coup de balle pour tout ICF, là. Après, il n'est pas intéressé à ça. Il n'a pas gagné droit. Il n'a pas gagné droit à faire ça. Soit on va chasser pour manger, ou bien pour donner aux pauvres, ou bien pour donner sadaqa, ou bien pour vendre pour gagner l'argent. Mais si je suis allé, je vais tirer un coup de balle, je vais tout y après, qui va faire une zetli, une manzli, ça n'a pas mon problème. Ça n'a pas gagné droit. Ça veut dire tout y a des animaux pour n'en rien, ou pas un tout y sans aucune raison. Ou pas pour justifier. Qui fait un tout y a des animaux? Vous avez justifier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans certains hadiths, malgré que beaucoup de ulama considèrent ça pas authentique, mais définitivement, tout qui se nous parle répond, malgré que le texte n'est pas authentique, mais sa signification livrée, c'est que n'importe qui offense une fille, on peut le questionner comme ça le jour du Qiyam. On peut le questionner. Wa idhal maw'ud tusu ilat. Quand quelqu'un qui, ban djimoun, ban enfant, qui ban arabe, qui est un autre vivant, vous pouvez être questionné. Qui fait bi ayi dhanbin qutilat. Qui fait un tuyma. Il y a un hadith aussi, malgré qu'il textuellement n'est pas authentique, qui, si vous tuez un animal, un oiseau, sans aucune raison valable, il peut dire Allah, mais qui fait tout moi? Qui fait tout moi? Qui veut dire que nous n'avons pas gagné droit à adopter sa mentalité malpropre qui est dérivée de ban qui peine à répéter, ban occidentaux. All dans la réserve, tous les animaux, c'est pas plaisir pour tuer. Ils font partie dans la vie d'un musulman. D'ailleurs, il y a un récit depuis Abdullah ibn Umar, radiallahu an, il dit, Saïd ibn Jubayr, un tabi'in, il dit, Marra ibn Umar bi fityan min Quraysh. Ibn Umar, si peut passer, il finit trop, ban zénès, parmi ban Quraysh, qad nasabu tayran. Qu'est-ce que tu fais? Je t'inattasse un oiseau, wa hum yarmounahu. Et je peux apprendre à viser les oiseaux là. Wa qad ja'alu li sahibi at-tayri kulla khati'atin min nablihim. C'est lui qui fait mettre ses oiseaux là. Il attache ses oiseaux là, il tazenesse là-bas avec cette flèche. Alors, je vais viser.
si je te rate cible là, propriétaire ces oiseaux là, il prend de flèche parce que flèche coûte cher ça. Flèche, comment dire, cartouche. Ou bien c'était, il y a une question qui valait ça. Alors donc, comment vous ratez, vous perdez vos flèches. Quand Ibn Omar radiallahu anhu vient trouver ça, فَلَمَّا رَأَوْا Ibn Omar تَفَرَّقُوا Quand je viens trouver Ibn Omar, je viens sauver. Tout ça va en Zénès s'en sauver. Pareil, comment Zénès partout. Quand l'imam passe, je te galoupe, ou bien je te reste tranquille. Comment je trouve Ibn Omar, je sauver. Parce que je te connais, je peux faire bêtise là. Je te connais, je peux faire bêtise. Alors, فقال Ibn Omar, Ibn Omar fin dia, Ibn Omar qui s'en a, ça c'est le fils de Omar bin Khattab radiallahu anhu, un sahabi. Man fa'ala hadha, qui s'en a fait ça? Ça veut dire qu'il s'en a une tasse à oiseau là, pour que tout tient coup de flèche, je peux jouer. Je peux tirer plaisir avec ça. La'anahu Allah, qui a la maudjili. Qui a la maudjili. Alors, inna Rasulallah, là il dit, inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la'ana man ittakhadha shay'an harada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin maudit, c'est lui qui prend une cible pour non rien. Ou à ta sensible, pour tirer coup de balle, l'olive, pour tirer plaisir. Pour tirer coup de flèche, l'olive, pour tirer plaisir. Maudit par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire, ou al zis, al tirer plaisir dans tirer coup de balle. Mais tiens le rose, tiens le du bois, mais pas le tiens le gibier qui ou pas pour ni manger, ni ou connaît qui ne fait ça. Ça n'est pas, font partie dans akhlaq et musulman. Nous avons un petit assez concernant la condition du chasseur. Condition du chasseur. Numéro N. La chasse, dans le contexte maurice, nous fait aller avec fusil. Fusil de chasse. Veut dire soit la pompe, soit fusil, veut dire tiens balle. Alors, tout d'abord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par muslim, il dit « La yambari li mu'min an yadilla nafsa » Un croyant n'a pas le droit d'humilier lui-même. Qui veut dire un croyant n'a pas le droit d'humilier lui-même? Il n'y a pas une question qui... Et moi, c'est un coup. Et moi, c'est un coup. Ce n'est pas passion, ça. Ce n'est pas l'envie, ça. La chasse, c'est une responsabilité, ça. Trapper un homme dans la main, c'est une responsabilité, ça. Ou pas gagner droit, trapper un homme dans la main, si vous ne connaissez pas, ou pas qu'une responsabilité un homme. Ou qu'à tout y djibouna, ça. Ou qu'à tout y frère, ça. Ou capable, veut dire, faire crime avec ça. Ou capable, tout y ou même avec ça. C'est pas un zouzou, ça. Comment dire, on est allé, on est trouvé, comment dire, on commence à emballer, on commence à s'exciter, autre coup de balle, on a envie de tirer, et on trappe un coup. Tiens un coup de balle, ou blesse ou même, ou bien ou blesse djibouna. Là, il y a un baril mu'min, un yadil la nafsa, un croyant, pas gagner droit humilier lui-même. Qui veut dire que quelqu'un qui peut chasser avec un fusil, il a besoin de maîtrise, tiens un coup de balle. D'ailleurs, avant de gagner licence pour gagner physique, ou bien faire training, ou bien passer l'examen, ça. Pareil, comment on perd le tour pour gagner licence. Il paraît ça. Mais quand le problème là vient, parfois il y en a certaines bandits, tisénés, je te suis monté au camion, je te parle, je te suis. Je parle guetter, de guetter, je te, comment dire, matin bis. Et moi tirer. Jamais ou te lire une petite chose pareille. Parce qu'il y en a d'abord, il y en a beaucoup la loi concernant la physique. Comment positionner une physique? Comment attraper une physique? Quand on pape CV, quelle position ou bien attraper? Est-ce qu'on laisse lui droite ou bien ouvrir lui? Quelle direction ou bien mettre lui? Un crime ça. Même physique là, pena balle ou pas gagner droit pointe lui, direction du monde. Ça, la loi ça. Ça, adab, physique. Alors, tout le monde qui te chose pareil, qui fait vous comprendre que quelqu'un qui peut attraper une physique et une responsabilité, et demain, conséquence, l'ipoulo, c'est lui qui est propriétaire de sa physique-là. Islamiquement parlant et légalement. Si arrivé autre, ou donner un imbécile sa physique-là, c'est un coup de là, c'est un coup de balle, il blesse lui-même, ou bien il blesse un djimoun, c'est lui qui est propriétaire de sa physique-là, il besoin de payer les conséquences, islamiquement parlant et d'après la loi. Deuxième condition du chasseur, il besoin aqil. Aqil veut dire il besoin quelqu'un qui a l'esprit. Il ne faudrait pas qu'on amène un imbécile à l'assas. Qui l'esprit n'a pas le droit à l'assas. Parce que si l'esprit pour faire comme ça, hein, t'as mis un coup de balle là. Vous connaissez comment je fais? Vous basinez là, hein? Vous ne connaissez pas? Et dans la jeunesse comme ça, tout à fait pro-basinage. Tout à fait pro-basinage.
Ou bien il fait son CP, il lance sa fusil ou l'autre. Pas gain droit, mais un imbécile l'assas. Il est bizarre, aqil. Aqil veut dire quelqu'un qui est responsable, il est intelligent, il comprend responsabilité et implication en fusil numéro un. Deuxième, il a besoin de moumayiz. Moumayiz, un chasseur, il a besoin d'un djimoun qui fin atteindre l'âge puberté au minimum. Les enfants, pas supposés, trappent fusil à sas, parce que ce gibier n'est pas halal. Gibier n'est pas halal, d'après l'opinion majorité ban ulama, qui fait, parce que l'ipakon veut dire implication à sas. Est-ce qu'il dit bismillah? Est-ce que c'est l'intention? Il faut formuler correctement? Comment on connaît ça? Ça veut dire que les besoins moumayiz, les besoins au moins fin atteindre l'âge puberté. Ça, c'est la majorité ban ulama, Hanafi, Maliki et Hanbali. Et ensuite, deuxième condition, celui qui paye la chasse, faudrait quelqu'un qui soit zabiha valable. Ça veut dire celui qui paye la chasse, s'il coupe une poule, est-ce qu'il poule la halal? S'il coupe un bœuf, est-ce qu'il bœuf la halal? C'est ça, du monde là qui gagne droit à la chasse. Ça veut dire c'est ça, du monde là qui soit gibier pour halal. Qui veut dire, dans l'islam, il y a plusieurs catégories de gens. Si un croyant chassé avec toutes conditions, bien sûr, gibier là, il est halal. Si un Jean du livre, Ahlé Kitab, à la chasse, gibier là, il est halal. Si un chrétien ou bien un juif, à la chasse, il tient un coup de balle, il tue un gibier, est-ce qu'il a le droit de consommer ce gibier là? Il n'y a aucun doute là-dedans. Il n'y a pas de divergence là-dedans. Ijma, écoute, dis-moi aujourd'hui. Nous, parce que Jean du livre veut dire comment tient à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, pas parce que chrétien qui adoptait des religions. Parce qu'à travers le monde, la plupart des chrétiens étaient dans des religions. Religion africaine, plus chrétien. Bouddhiste, plus chrétien. Les chrétiens, mais c'est même encore, il y a ce petit Bouddha. Ça, pas ça chrétien là. Les chrétiens dans l'Afrique, mais c'est même encore, il y a un petit rite voodoo qui les servit. Ça, pas chrétien qui peut causer le Coran. Ou bien, les chrétiens, mais c'est même encore, adopté certaines bonnes pratiques de l'hindouisme. Ça, c'est pas chrétien qui est dans le Coran. Chrétien de Coran, c'est chrétien à la base qui lit, il y a seulement religion chrétienne. Qui lit, veut dire, il croit dans la Bible, malgré que les films dérapés concernant Isa alayhi salam. C'est pour ça dans Surah Maïda, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa ta'amu ahlul kitabi hillul lakum, wa ta'amukum hillul lahum. Alors donc, ici, ta'am c'est zabiha, veut dire, ben, les animaux qui négociaient par ben gens du livre, chrétiens, juifs, halal pour eux, aux croyants. Et nous, croyants, nous nourriture, nous zabiha, halal pour ben là. À cause ça, juif, l'immense côte musulman. À cause ça, juif, l'immense côte musulman. Il n'est pas côte chrétien. À cause ça, juif, il fait namaz dans masjid. Juif fait namaz, il va rentrer, fait namaz dans masjid. Pour eux, gagner droit. Mais c'est pas, je veux pas gagner droit, rentre dans l'église, faire. Chrétien, bien comme ça, hein? Un juif défend pour lui rentrer dans l'église. Parce qu'il ben, juif, je crois, je dans cette religion, oui, je suis d'accord qu'il est musulman, a même bon Dieu, je. Par contre, je n'êtes pas d'accord qui je bon Dieu avec chrétien, je bon Dieu pareil. Vous êtes dans Sabana, l'autre ça. Seule religion qui est acceptée, qui paraît comme les autres, c'est l'islam. Ça ne veut dire qu'ils nous frères. Ça ne veut dire qu'ils nous camarades. Les musulmans avec juifs, fondamentalement, nous différents dans beaucoup de choses. Et une de bonnes choses, c'est Tawhid. L'Ola qui nous différence, veut dire capital, fondamental. Alors donc, besoin d'un djimoun qui soit gibier les halal. Mais dans le contexte maurice, surtout, nous besoin prendre en considération ban djimoun, beaucoup ban djimoun qui a l'assas, quand je t'en allé, je t'en allé après Maghrib, je n'ai pas fait Isha, je n'ai pas fait Fajar. Est-ce que je gibier halal? D'après majorité ban ulama, je gibier pas halal. Ça veut dire, même qui ban qui perd la chasse CF dans Maurice ou bien Lièvre, s'il n'a pas fait namaz, ce gibier pas halal d'après majorité ban ulama.
Ça veut dire condition, un chasseur dans Maurice, faudrait lui faire 5 fois namaz. Faudrait lui faire 5 fois namaz. Troisième condition, qui est un coup de balle flouk, on tue les animaux pour un coup de balle flouk, les animaux là haram pour manger, n'est pas halal. Qui appelle un coup de balle flouk, on rate un coup. Mon tient un coup de balle ici, les animaux là de l'autre côté. Comment ça? Mon bat dans, casse dans ta. Mon pan vise, et une quantité, mon pas qu'on vise moi. Mon vise à peu près, mon vise pas ici, les animaux ici là qui est mort. Est-ce qu'il est halal? Non, il n'est pas halal. Fais attention. Faudrait qu'il, quand un djimon peut tuer un animal, il finisse faire focus l'intention, parce qu'il paraît. Ou pas, on peut faire bismillah, qui est animaux peut tuer? Vous connaissez qui est animaux peut égoser? Ça veut dire quand un djimon peut chasser, il a besoin d'un maqsad. Ce maqsad, qui est animaux? Là-bas, il y a un CF. Là-bas, il y a un lièvre. Là-bas, il y a, c'est pas un autre animal encore. Mais, ou puis envie de tuer, CF qui est mort devant vous. Mais comment CF là vient halal? Ou l'intention c'était pour tuer, un coup de flouk, finalement, il vient sauter un coup, CF là passe devant, CF vient un coup de balle. CF là halal, non, CF là pas halal. Parce que au maqsad, c'était pas CF là. Alors donc, quand Jimon paye la chasse, il a besoin de définir ce cible avant qu'il y ait bismillah pour lui tirer ce coup de balle. Sinon, ça gibier là, il n'est pas vient halal pour consommer. Concernant gibier là, les mêmes astères. Ça veut dire qu'il cause trois conditions dans le chasseur. Numéro un, les besoins, aqil veut dire quelqu'un qui est saint d'esprit. Saint d'esprit, incluant, veut dire un djimoun responsable, un djimoun intelligent. Deuxième, les besoins, quelqu'un qui finit arrive à atteindre la maturité, veut dire au minimum, finit atteindre l'âge puberté. Alors, donc, ça, c'est la première condition. Deuxième, les besoins, un djimoun qui, à la base, se zabiha li halal. Un croyant, ban juif et ban chrétien orthodoxe, et aussi un croyant qui fait 5 fois namaz. Sa croyant qui pas fait 5 fois namaz, ce zabiha, incluant sur la chasse, ce gibier, l'ipa halal, d'après majorité ban ulama. Troisième condition, c'est que quand un djimoun peut chasser, une balle qui ne perdit, une balle perdit qui passe sans signal tuer les animaux, ce gibier-là, l'ipa halal. D'après l'opinion authentique de Ban Ulama. Concernant le gibier, alors tout d'abord, Ban Ulama divergé, est-ce que nous avons droit chasse Ban gibier qui nous pas mangé? Est-ce que nous avons droit chasse Ban gibier qui nous pas mangé? Divergence entre Ban Ulama. Un antilope, un zèbre, un bourrique, veut dire sauvage, man qui chose pareil, lapin, lièvre, man qui chose pareil, halal, pas aucune divergence. Mais est-ce que nous gagnons droit chasse un animaux félins, tigre, lion, parce qu'il pas mangé ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin interdit consommation de ban as-siba. Nahanna bi sallam an akli as-siba, le professeur sallam fin interdit consommation du ban siba. Siba veut dire c'est ban carnivore, ban animaux félins, lion, tigre, cheetah, puma, etc., etc. Ça veut dire, est-ce que nous gagnons droit chasse un tigre ou bien un lion? Alors donc, divergence entre ban ulama. Beaucoup ban ulama, parmi là-dedans, veut dire ban shafiri et aussi ban hambali. Je veux dire, nous gagnons droit chasse Allah chasse seulement ban animaux qui nous gagnent droit à manger, qui nous gagnent droit, qui halal pour consommer. Par contre, un animaux qui pas halal pour consommer, nous pas gagnent droit à manger. Alors que ban Hanafi et ban Maliki disent non. Nous gagnent droit chasse ban animaux qui nous pas consommer, malgré qu'ils se lassent pour les risques comme ça même, si nous capables, veut dire, profitent avec quelque chose dans les animaux-là. Par exemple, sur la peau. Par exemple, c'est un quelque chose qui est précieux dans un animal-là. Même si cela sert, non pas pour consommer, c'est un quelque chose précieux là-dedans, nous capables, veut dire, chasse-li, malgré ça. Ou bien, nous gagnons droit chasse-li s'il y a un danger
pour insan. Par exemple, dans la ville, dans l'Aisne, où on a ça souvent, dans le village, il y a un chig infini goutte la chair humaine. Mais ça coule pour venir manger du monde. Est-ce qu'il nous a le droit de sortir Allah sa salle tuili? Oui, nous avons le droit. Ça veut dire pour les Hanafiques, les Maliki, nous avons le droit de chasser des animaux, même si nous ne consommons, même si nous devons être sur la serre, dans deux conditions. Si un, comme une protection, un self-defense, pour ne pas faire nos jito. Et deuxième, soit qui dans les animaux-là, il y a quelque chose qui est précieux, qui est bénéfique à l'être humain. Des arguments, chacun a un autre argument, mais il y a une divergence d'opinion là. Probablement, dans Maurice, il n'est pas applicable. Parce qu'il peut y avoir un nazi CF. Deuxième, nous pas chasse des animaux domestiques. La chasse est faite pour chasse des animaux sauvages. Qui veut dire des animaux sauvages? Des animaux dans son état naturel. Des animaux qui, dans son état naturel, qui n'y pas appartenir à personne, ni sauvages. Ça, c'est, veut dire, n'est pas dans le contrôle humain, n'est en dehors. Là, ça n'est pas dans mon capacité pour pouvoir répondre à ça. Est-ce que chasser, appelle ça des animaux sauvages? Ben, CF qui trouve dans ça, c'est, appelle ça des animaux sauvages, je ne peux pas prononcer ça. Je ne peux pas dire non, il y a là. Mais la chasse, c'est ban concerne ban animal sauvage dans son état naturel qui n'est pas propriété de personne. D'accord? Les peines à contrôle humain, peines à contrôle l'oli. L'être humain peine à contrôle l'oli. N'est pas propriété de personne. Alors donc ça c'est l'animal sauvage. Donc, ça, c'est la chasse qui est acceptable dans l'islam. Mais, les animaux domestiques, ils n'ont pas gagné droit. Ça, c'est. Ils n'ont pas pris un bœuf. Ils ont donné un coup de bois, ils ont donné un coup de après, ils ont donné un coup de balle. Ils ont dit, la chasse. Ça, pas mort, c'est pas la chasse, ça. Ils pour haram pour manger. Animal domestique, ils ont fait zaba. Animal domestique, c'est zaba. Mon père veut dire, faire les galopés, mon coup de balle, mon dire bismillah, il n'est pas acceptable. Pour animal domestique, bizin zaba. C'est animal sauvage qui, mon coup de balle, coup de flèche, etc. La question, raison là, il est très simple. Parce que les animaux domestiques, mon capable de rappeler, ils sont dans mon contrôle. Par contre, les animaux sauvages, mais il n'est pas qu'on écoute, il était moi. Il est capable de monter, il est capable d'un trou, il est capable de côté ça, on ne pas qu'on écoute, il était à cause ça, qu'il ne peut pas gagner accès à lui directement. De loin qu'il m'a trouvé, comment il trouve moi pour sauver lui. Ça veut dire comment on fait Zaba. Pour cette raison qu'Allah fait mettre ça la loi, la chasse. D'accord? Alors, donc, nous pas gagner droit la chasse à des animaux domestiques. Mais, seulement d'une seule condition, qui nous gagne droit chasse à des animaux domestiques. Qui nous peut dire par chasse à des animaux domestiques, nous gagne droit servir physique pour faire Zaba à des animaux domestiques. Ou bien, vous servez une arbalète, ou bien vous servez une flèche. Pour être capable, tous les animaux domestiques, vous dire bismillah, cabrila peut galoper, boucla peut galoper, ou bien befla peut galoper, bismillah, vous tiens un coup de balle, un mot, halal. Seulement dans ce cas, est-ce qu'il est dans Maurice est applicable? Non, il n'est pas applicable dans Maurice. Quand un animal domestique, il casse la corde, il sauve. Si vous pas attrapé, si pas gagné, il est pour PSI dans. Pas qu'on écoute pour aller. Dans la forêt, la montagne, il n'y a pas qu'on écoute pour aller. Là, oui. Parce qu'il finit là, cet incident-là, dans l'époque Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, après victoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Quraysh, dans un de bonnes batailles, je t'y gagne beaucoup de butins. Parmi les butins que je t'y gagne, beaucoup de moutons et chameaux. Alors, là-dedans, un chameau est sauvé. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ce côté, pas un cheval, c'est un aziz, des trois chevals. Quand Samoulène sauve, il commence à galoper. Et Chameau galope vite, ça. Hein? Chameau galope très vite et il n'est pas fatigué. Il galope long parcours, des dizaines, vingtaines de kilomètres, il a galopé sans arrêter. Alors quand il commence à sauver, il n'est pas capable de gagner. Un sahaba, il prend un cheval, il a le déli. De loin, il récite, prend une flèche, il récite, gagner dans ce lipier, il est arrêté en place. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un animal, quand il finit sauver, il quitte ce bon, il finit aller, il finit vin un animal sauvage.
Ça veut dire qu'il finit prend l'élan pour aller vivre, veut dire, dans la nature. Alors, c'est dans sa façon-là qu'il nous agit avec ces animaux-là, veut dire, nous la chasse-li. Alors donc, c'est un animal dans sa situation-là. Alors, nous retournons à la question de chasser. Chasser qui est là aujourd'hui, si un chassé est grand, côté là, propriétaire a peine à contrôler les animaux là à l'intérieur. Il n'est pas gardé dans l'équerrie. Après, quand Baila vient à 2000 roupies, la laïe chez elle, il a glissé. Ça n'a pas la chasse, hein? Ça n'a pas la chasse. Si chassé là, il y a des centaines, veut dire, ben gibier, yev, cosson marron, bien sûr, un musulman pas pour la chasse, cosson marron, il y a CF, il y a ben quelque chose pareil. Il n'est pas pillé, propriétaire là, il n'est pas connu combien il y a. Il peine à contrôler l'eau là, qui s'en a grand. Ça, oui, il rentre dans la chasse. Mais nous pouvons ben chasser qui, tantôt, gardien vient, prend tout, CF, ramasse de l'équerrie. Et là, demain, ouais, il y a des gens qui viennent dans la chasse là. Et là, ça n'a là non. Ça n'a là pas la chasse ça. Pas en bétou, vous avez fait courbani, ça n'a là. D'accord? Et troisième condition qui n'est pas applicable dans Maurice, quand un djimoun, souvent deux fois, quand quelqu'un peut chasser, de loin ça, quand même un animal a un coup de balle ou bien un coup de flèche, souvent deux fois, il n'y a pas mot sur le coup. Il y a un coup de flèche dans son pied. Il y a un coup de balle dans son pied. Pourquoi on s'est galopé? Il y a un coup de balle. Alors quand il y a un coup de balle, parfois, il écoute parce qu'il entre le chasseur avec Zibiela, il est capable de 100 mètres. S'il y a une servienne, elle veut dire, une physique, veut dire, une tire une coup de balle depuis de loin, il est capable de dire. Alors donc, est-ce que il est capable de gagner dans un zoo? Il est capable de retracer dans des zoos? Alors ça, Zibiela, est-ce qu'il est halal ou bien haram? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met une condition. Peine de divergence entre les ulama, si un djimoun a la chasse, il a un tir coup de balle ou bien coup de flèche d'un gibier, il a perdu le gibier là, il a perdu la trace du gibier là, il a le cassier ou bien quand il a allé, c'est après un jour, il a gagné le gibier là. Mais est-ce que il continue rodli quand il vient, le gibier là il finit mort, est-ce qu'il continue rodli ou bien quand il perd le gibier là, il dit ok, à Pliton ou guetté, laisse-nous le dormir, laisse-nous manger, après demain nous commençons à le rôder. Si l'ipan qui trace Zibiel, il continue rôdli pendant une nuit, il continue rôdli jusqu'à le matin, il récit, trouve Zibiel là, et Zibiel là fin beau. Il gagne droit manger, il peine à divergence entre ban roulement. Mais si quand il fait un tir coup de balle ou bien un tir coup de flèche, il perd, il repère Zibiel là, il dit, un temps là, demain nous rôder, dans le dormi. Quand il est là-bas, les animaux là, finis mots, il n'a pas gagné droit manger. Ça veut dire différence entre les deux. Si il continue à rôder, il n'est pas arrêté, Zibiela halal, même les films. Il est blessé, il est mort. Mais si il fait retourner, il fait une pause, il fait une autre action, Zibiela, il n'est plus halal. Quatrième, parfois arrivé, Zibiela, il est blessé en qualité qui est une partie sur l'écho, surtout coup de balle, capable d'arriver ça. Surtout dans petits animaux, capable un bout de pied cassé, ou bien il déraciné, ou bien une partie sur l'écho, un mot sur l'acier, une sortie de sur l'écho. Est-ce que ce mot sur l'acier là, nous gagnons droit à consommer? Par exemple, soit il est blessé ou bien il est tombé. Quand il peut tomber, un bon bout de l'acier, il est gratiné, une sortie de sur l'écho. Et il continue à galoper, il a le mot quelque part, lui. Ou bien pas connu côté. Est-ce que sa mot sur la chère là, il a le droit à manger? Alors, d'après Ban Ulama, basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, six animaux là encore vivants, six animaux là encore vivants, et sa mot sur la chère là, dans possession de sa chère là, sa mot sur la chère là, il est haram. Nous pas gagné droit, mange un mot sur la chère depuis un animal qui est encore vivant. Basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve d'Abu Daoud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma qut'a min al-bahima wa hiya hayyatun fa hiya bayyita.
Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui, les animaux qui nous coupent une bout à lit. Et les animaux-là, encore vivants, sa bout qui nous coupe là, les haram, c'est un animal mort ou pas gagné droit à consommer. Ça veut dire, n'importe quand un dioun paye la chasse, n'importe qui morceau dans un animal-là qui est récupéré, alors que les animaux-là sont encore vivants, sa morceau-là, si elle a, ou pas gagné droit à manger. Et ça est applicable seulement pour les animaux terrestres, pour les animaux-là miennes. Pour les animaux-là miennes. Nous pouvons terminer la première partie. Demain, semaine prochaine, nous pouvons causer les outils qui sont capables de la chasse et qui sont les outils qui n'ont pas gagné droit à la chasse, les autres issues concernant la chasse. Et quand du monde servit les siens, il y a beaucoup de chasseurs, surtout qui à la chasse, lièvres surtout, ils ont servi les siens à la chasse. Alors, nous avons un hadith contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « Ida wala al kalbu fi ida yahadikum » quand un lycien fait mettre sur la bouche, son museau dans un récipient, « Farsilouhu sab'a marrat ou lahunna biturab » hadith qui est rapporté par Bukhari. Si un lycien fait mettre son museau dans un récipient, il lave ce récipient-là 7 fois et la dernière fois, ou bien la première fois, il met la terre. Frotte la terre partout, elle la lave 7 fois. Alors, est-ce que quand un chasseur envoie ce lycien, ça veut dire la bave lycien, elle est impure. Sur la crasse, sur la bave, elle est impure. S'il met sur le museau dans le récipient, elle la lave 7 fois. Mais s'il une récit, capture un lièvre, est-ce qu'il besoin lave lièvre là 7 fois? Est-ce qu'il besoin lave lièvre là? Divergence entre Banu Ulama. Alors, certains Banu Ulama, je dis, alors, les Mourouen, Mazhab, Shafi'i et Hanbali, je dis que si un, aussi Mazhab Hanafi, aussi pareil, que si un lycien, un récit attrape un gibier, ou bien un lapin, ou bien n'importe quel petit animal, bien lave les animaux là avant al veut dire kouili, pas gagner droit. Je veux dire, c'est évident comme ça même. Parce que la bave, les siens, les confirmer qu'il est impur. Par contre, Mazhab Shafiri, qui lit, il dit que non, pas nécessaire à laver. Parce que dans l'islam, il y a quelque chose qu'on appelle Raf' al-Haraj. Raf' al-Haraj qui veut dire, dans certaines circonstances, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait la loi flexible, comme une facilité pour les gens. Alors donc l'opinion qui plie authentique, c'est que l'Issien la chasse, quand il peut chasser, quand il finit attrape un gibier, dans ce moment-là, ce gibier-là, Allah finit aller sa restriction qui finit mettre l'autre côté concernant le récipient. Allah finit aller sa restriction, ça veut dire Allah pas finit mettre une condition qui oblige à laver sa oiseau ou bien sa lapin-là, cette fois en bas de l'eau, oblige à raplater l'eau-là, peine. Basant l'eau quoi? Basant l'eau vers ce Coran qui trouve dans Surah Maïda. Allah subhanahu wa ta'ala fin dit dans Surah Maïda, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin seulement mentionne Fakulu mimma amsakna alaykum. Fakulu mimma amsakna alaykum wa dhkuru smallahi alay. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fin dit, quand je te lance les siens, qui je fin entraîné, ou bien je tita, ou bien je te l'aigle, ou bien je te vautour, ou bien je te faucon, n'importe qui je te envoyé pour la chasse, ça lycien là, quand il trappe sa gibier là, qu'est-ce qu'Allah dit? Fakulu mimma amsakna alaykum. Al manger, wadkur smallahi alay, mais seulement fais bismillah quand je te lance ça, ces animaux là. Allah pas dit laver. Si Allah ne mentionne bismillah, Allah ne mentionne manger, Allah ne mentionne lycien, Allah pas ne mentionne bisa laver. Qui fait? Raf' al-haraj. Que Allah subhanahu wa ta'ala finalise, veut dire sa situation-là, parce que souvent, des fois, oublié contexte Maurice, imagine dans l'Afrique, un djibon paye la chasse. Quand il n'y a pas de l'eau, ça y est là. Il y a qu'il mange là. Il y a besoin de manger. Il y a une récit qu'un gibier. Et on te lit avec la rivière, il n'y a pas 100 km. Quand il n'y a pas de lave, ça là. Il y a un petit guide d'eau pour le bois. Ça veut dire, pour cette raison, qui lycien la chasse, dans ce contexte-là, peine à problème. Ça, c'est l'opinion beaucoup d'un ulama, même contemporain, qui peine à aucun problème dans sa côté.
Mais sans aucun doute, pour une question d'hygiène, si un démon l'y lave, li, pour une question, veut dire, meilleure d'hygiène, pas aucun problème, mais il n'y a pas une condition. Oui, et ça veut dire que nous, pour terminer la même, nous avons les autres bonnes questions qui sont très importantes, nous gardons pour la semaine prochaine. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Oui, nous laissons pour jeudi une renvoyée à cause du nikah. Inch'Allah, nous en zut mardi prochain. Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.